Et salut YouTube, c'est Juanito. On se retrouve pour le quatrième épisode d'Absolvers. Déjà, vous pouvez voir que j'ai amélioré un petit peu ma tenue et que j'ai un nouveau masque puisque je me suis battu pour chercher les endroits avec les derniers boss. Alors les amis, même si la série n'est pas trop suivie, même si on est qu'un petit nombre, j'aime beaucoup le jeu. J'ai envie de continuer les épisodes, donc j'espère que vous allez me soutenir en laissant votre plus gros pouce bleu pour donner un peu de visibilité et pour m'encourager évidemment. Alors aujourd'hui, on se retrouve à l'avant-poste des chuchoteurs. De ce côté-là, on a le sentier de chasse, puis le pont des guides. Et nous, on va aller aujourd'hui de ce côté-là parce qu'il y a le temple perdu. Et du côté du temple perdu, il y a un boss. Alors, je l'ai déjà affronté. D'ailleurs, j'ai fait ce chemin-là plusieurs allers-retours. Je suis allé et venu pour ressortir de la zone et pour rentrer. Et il se trouve que le boss est assez costaud quand même. Plutôt simple à battre. Hein. C'est pas si compliqué que ça, mais il charge bien. Il met pas mal de coups. Et donc, eh ben, c'était un petit plaisir d'apprendre ses coups et de le vaincre. Donc les amis, on va aller le vaincre ensemble une fois. Comme ça, en plus, vous voyez l'emplacement. Ça sert à rien que j'aille faire le tour de la zone pour trouver, pour me battre ou pour aller trouver des trésors, puisque j'ai déjà fait le tour. Et le temple, le voilà, il est là. Les décors sont très sympas. Vous voyez qu'on n'est pas trop loin de la grande tour de je sais plus comment elle s'appelle. Ah, là, on a quelque chose, tiens. Je n'avais pas vu ça. Alors, aussi, ce que je dois vous dire, encore des poignées, c'est que... Déjà, j'ai gagné des niveaux. Deux niveaux en plus, alors vous voyez que j'ai bien augmenté la vitalité, puisqu'on ça y est, on est à 10 en vitalité. Maintenant je vais augmenter peut-être les pouvoirs, non je sais pas. On va peut-être d'abord augmenter la dextérité, alors je suis plus qu'à 20 en mobilité, hein. Je suis normal, je suis pas très rapide, mais c'est normal, j'ai mis beaucoup plus de protection, j'ai mis la grosse plaque là sur le ventre, et aussi je sais plus ce que j'ai changé, peut-être le t-shirt, qui sont plus lourds. Donc ça c'est pour les stats, et pour les coups, j'ai gagné deux coups de plus, ces deux-là. N'existait pas, et donc maintenant on a trois combos de trois coups et j'ai tout changé. Alors là on va combattre les boss et dans le prochain épisode je vais de nouveau tout effacer et on recommencera parce que je vais vous expliquer les petites astuces que j'ai compris. Puisque là regardez bien, le combo il démarre dans le losange qui est en haut à droite. Enfin, il y a un losange et c'est séparé en quatre triangles. Et là, celui-là, il commence avec le triangle en haut à droite, il termine avec le triangle en bas à gauche. Et vous voyez que là ça correspond à l'entrée du troisième combo. Vous voyez que c'est allumé. Donc là, dès que je fais ce coup, si j'appuie encore sur le bleu, ça m'enchaîne sur ce coup. Du coup, il fait ses trois coups. Et quand je termine sur ce coup, vous voyez, c'est pour ça que là, c'est mélangé entre coup de poing et coup de pied. Au final, c'était parce que je voulais essayer ça. Et bien, quand je termine ce combo, ça m'emmène sur celui-ci. Et vous voyez que quand je vais faire ces trois coups, ça va m'emmener sur le dernier. Et que le dernier va me ramener sur le premier. Et ben là, j'ai enchaîné. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 coups. On va les faire ensemble. Alors d'abord, ça commence par le côté en haut à droite. Vous voyez, donc faut pas que je me mette comme ça. Faut que je me mette comme ça. Et là, je vais pouvoir enchaîner 12 coups. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, ça reprend sur le premier. Donc maintenant c'est 12 combos très simples, je peux enchaîner quand j'ai envie, vous voyez avec un triangle, donc là j'ai fait donc, bleu, bleu et jaune, je dis triangle comme sur la PlayStation, ça m'est resté toute ma vie parce que j'ai eu des PlayStation avant d'avoir une Xbox, et boum, donc voilà, là j'ai quand même mis mes coups qui tournent, les combos sont quand même plutôt impressionnants, mais c'est pas exactement les coups que je veux, donc on les refera encore une fois, mais d'abord on va aller fighter les amis. Donc vraiment la technique d'affronter les boss plusieurs fois et de partir et de revenir de la zone, c'est vraiment la plus sympa. C'est comme ça que les combats sont les plus jolis, qu'on profite le plus du jeu et en plus on apprend quand même les coups. Allez viens par ici toi. Donc ça c'est Angrel, c'est un boss simple. Et là il a une épée, donc on va apprendre des coups d'épée un peu. Alors voyons, tac, vous voyez là il y en a encore des coups d'épée à prendre. Aïe, et là il y a une esquive qui a été loupée. Donc on va quand même un peu le latter, mais après il perd son épée, c'est pour ça... Je devrais peut-être un peu m'occuper de lui. Ah. Il faudrait que j'y arrive. Alors, ce coup, je l'ai déjà, apparemment. Ouais, celui-là, c'est le premier. Il faudrait que j'évite. Ouh, ça, c'est cool. Je l'avais pas. Allez. Aïe. Ah, ça y est, il a plus son épée. Et moi, faut que j'en prenne un peu de vie. Maintenant, on va se battre un peu. Son masque est vraiment moche, au passage. Allez, viens par là, que je t'enchaîne. Alors lui, il a que des coups puissants. Il rentre dans le tas, il reste vraiment face... Allez, hop, vous avez vu, coup de pied en haut, coup de pied en bas, ça c'est pas mal. Alors, ce qu'il faut faire avec les boss aussi, je vais vous montrer si j'arrive. Ah, j'ai plus de parade. Faut que je me casse.
Là, le problème, c'est que mes coups, du coup, sont un peu trop impressionnants au niveau des rotations. Ils sont pas assez directs par rapport à lui qui est dans la protection et qui me vide pas mal ma barre de stamina. Surtout quand je l'attaque, il attaque juste après. Allez, viens par là. Alors voilà, donc pour toucher les boss, là je vais ramasser. Voilà, là il va bien m'enchaîner maintenant que j'ai plus de stamina. Ah, des fois c'est affreux, hein. Des fois ce jeu il est tellement stressant si vous n'avez pas les timings, c'est horrible. En plus il a que des coups puissants, donc il passe à travers mes coups, j'ai l'impression. Parce qu'il y a des coups qui brisent la garde, il y a plein de petites icônes sur les coups que vous choisissez dans les combos, il y en a qui brisent la garde, il y en a qui paralysent, il y en a qui fatiguent, il y en a qui sont vers le haut, vers le bas, il y a vraiment tout à bien regarder, c'est très important. Vous voyez que j'ai gagné un cristal en plus, là j'en ai deux, je peux encore faire mon pouvoir, donc on va attendre et je vais le refaire après. Et, alors j'ai toujours pas fait de ces esquives là, enfin c'est pas des esquives, c'est une ruse, c'est une feinte. Ah là là, le salaud. Faudrait lui parer sa garde. Voilà, lui faire péter sa garde. Alors attendez, regardez ça. Hop, esquive. J'étais un peu loin par contre. Allez, on va... Mince. Ah, je voulais lui faire mon combo, j'ai plus de stamina. Ah là là. Ouh là là, c'était chaud là. Plus de stamina, on va ramasser une grosse patate et là il y a des chances qu'il nous va mettre, évidemment, parce qu'il va tout enchaîner maintenant. Ah, j'esquive vers lui, non. Allez, viens par là. Allez, boum, il dégage. Et vous voyez que les coups d'épée, on n'a pas tout appris encore, hein. On pourra revenir. Il va falloir que je voie ici à la fin du... des boss quand on a tué tout le monde, si on peut revenir. Donc là vous voyez que j'étais ici, le temple perdu il mène vers la tour d'Alba, ou je sais plus comment ça s'appelle, tour d'Alba il me semble. Nous on repart par ce petit sentier qui nous ramène donc à l'avant-poste des chuchoteurs, que on connaît déjà puisque c'est là que j'arrivais quand je faisais les allers-retours pour le sentier de chasse. Donc nous voici sur cette zone, et les amis vous pouvez voir sur la carte que je savais pas qu'il y a notre point. Elle est où la carte? Où est-ce que je voyais la carte déjà? Ah ben voilà, voilà, sur la gauche. Juste à côté, là, j'avais un autre point jaune que j'ai aussi vaincu, on va aller le voir. Et donc ensuite, il nous restera plus que le boss rouge qui est pas loin. J'ai déjà l'emplacement, mais je l'ai pas encore affronté. Alors ouais, si j'ai des équipements intéressants. Donc les coudières, on les a déjà. Apparemment, il y a des habits usés et des habits en forme, mais j'ai jamais vu la différence entre les uns et les autres. Ah, les manches marron. Cool. Au lieu de blanc, on va les changer de couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai gagné un masque, au fait. Hein, je peux vous le montrer. Voilà, celui-là. Masque d'aspirant errant. Je trouve vraiment qu'il a la classe. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Ce petit t-shirt. Gabison forestier. Ok. Ah, on dirait un truc un peu camo. Yes. En plus, il est dessous. Nous, on le voit pas sous la plaque. En plus, il est plus costaud. Ah, mais il est plus gros. On descend à 19. Oula, ça va commencer à être lourdeau. Hein. Bon, ben, on va garder ça pour le moment. On verra ça aussi, on se mettra tout nu. Et on refera la totalité des habits. Alors, je me suis... Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Je me suis pas mal entraîné. Et à chaque fois que je tombais dans le vide ici, ça m'a énervé. Je voulais faire absolument un combat sur le pont. Et ben, c'est vraiment pas simple. Et elle voyait le deuxième coup de pied. Son deuxième combo. Ah voilà, ce coup de pied là, il est dur à éviter, mais il me le faut absolument. Vous voyez que j'ai déjà gagné celui-là. Voilà, là ça y est, j'ai presque gagné le coup de pied. Par contre, faut pas que je meure. Donc, faut déjà que je commence à l'attaquer. Allez, bon combat près des murs, bien weird. Viens par ici, ma belle.
Maintenant, on va pouvoir jouer ensemble. Hein? Alors, vas-y, fais-moi ton coup de pied sauté. Voilà. Allez, allez, allez. Ton coup de pied sauté, yes. Ah, j'esquive trop tôt, hein. C'est fou, hein. Ah, elle m'a tapé en bas. Il est pas paré. Allez, balance. Est-ce qu'elle serait pas un peu chiante par hasard, hein? Mais je veux pas la tuer non plus. Donc, coup de pied sauté. Et le deuxième est un peu plus long à venir. Faut que je m'en souvienne. Voilà. Ah non, elle a pas fait. Ah, m'énerve, j'ai envie de la tuer. Allez, non, faut que j'apprenne ce coup de pied absolument. Absolument, les amis. Ouh, on y est presque. Encore un. Encore un, et je pense que c'est bon. Oh oui. Yes, ça y est. Tiens, et tu dégages avec un bon coup de pied dans le dos. Le slap kick. Ça, c'est cool. Ça, on va pouvoir le mettre après. Mais d'abord, on va fighter les boss. Alors, voyons si j'arrive en vidéo à faire ce fameux combat sur les planches, sur le vide à 2v1. C'est parti. Ah bah non, si j'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. Et alors c'est frustrant, je me suis... Ah là 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 là, hier c'était affreux. Quand j'ai joué, j'ai essayé de batailler là-dessus, j'ai fait au moins, je sais pas, 5, 6, 7 combats, j'en ai gagné, hein, mais j'ai pas arrêté de tomber, c'était horrible. Allez, là il y en a qu'un, ça devrait être plus jouable, viens m'affronter. Sur les marches de la mort, enfin la passerelle de la mort. Ok. Là, ça nous apprend les déplacements, je vous le dis. Bon, et voilà, c'est fait. Il aura pas fait long feu. Ouh, j'ai failli tomber. Est-ce qu'on se le fait, celui-là? Et vous voyez, c'est la caméra. Là, je l'ai visé. Regardez la caméra. Là, elle est comme ça. Là, j'appuie juste pour le viser. Voilà, tac. Et là, vous voyez que je vais n'importe où, mais ça me garde... Ça me garde la caméra bloquée sur lui. Alors, quand il y a un mec qui tombe, ou quand c'est vous qui tombez, et ben la caméra elle monte ou elle descend, vous voyez plus rien. Et si vous êtes à côté du vide, il y a de très fortes chances, vu qu'en plus ça, la caméra tourne autour du personnage adverse, votre point de vue change énormément et ça devient très compliqué. Là on va ramasser ça déjà. Ou pas. Donc voilà, ça c'était un coup où je lui ai brisé sa garde. Et tu dégages, et moi aussi. Ouh, c'est chaud, c'est chaud. Et voilà. Et voilà, ce qui doit se passer, c'est passé, encore une fois. Puisque le mec, il a aucun équilibre, et quand il tombe comme un gros paquet, il peut même pas se raccrocher au bord. Mais ça, c'est un détail, les amis. Allez, on est à trêve de plaisanterie. On va le fighter hors de la zone. Épaulière de fourrure, ok, cool. Là, je l'ai appuyé vers le bas, mais ça n'a rien fait, parce que j'étais encore dans l'animation que j'ai pris un pet. Ok, 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 ok. Tiens, prends ça. Si tu veux faire du coup de pied. Pourquoi il a changé de cible? Je sais pas. Auto. Tu paries qu'ils vont me faire tomber dans le vide encore? Boum, coup de pied retourné, coup de pied balayette. Et celle-là, tu vas la manger. Trop tôt encore. Oh, les celle-là, elle est bien passée par contre. Ah, je croyais qu'il allait me faire le coup de pied vers le bas. Ah, tu croyais quoi? Tu vas pas me la faire trois fois d'affilée quand même, hein. Gant forestier, tiens, on avait pas ça. Si j'essayais de le faire tomber dans le vide, à cet enfoiré. Ouh, le gros coup de coude. Je suis coincé contre le mur. C'est affreux. Il a esquivé ma patate. Allez, esquive donc ça. Ah, dommage que je lui donnais un petit coup après. Boum. Voilà, coup de poing bien puissant. Qu'est-ce qu'on ramasse? Des gants forestiers, encore une fois, on s'en fiche, regardez ce beau bâtiment. Et à l'intérieur, on a un boss. Alors lui, il est très chiant aussi. Hein. Déjà, me remettre de la vie. Et il a un masque qui est vraiment stylé. Si je pouvais les gagner, ce serait bien. Malheureusement, je sais pas si on va le gagner. En plus, il a une épée. Regardez ça, il est prêt, il m'attend. Pourquoi il... Qu'est-ce qui se passe? Je vais lui courir dedans.
tiens. Et tiens. En plus, il fait plein d'esquives. Il est horrible, ce boss. Allez, c'est parti. Amasaba, viens là avec ton épée. Et boum. Boum. Aïe. Oui. Olé. Ce coup-là, il est pas très beau, mais je l'ai presque appris. Donc, on va quand même essayer de la prendre. Ouais, comment vous voulez éviter celui-là? Il passe de droite à gauche. Ah, celui-là, il est vraiment affreux. Ah là 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 là. Oh les. Ok, mais c'est quoi cette allonge? Non, mais les gars, oh, je suis assez loin là. Pourquoi il me touche quand même? Allez, on se concentre. Le calme du ninja. C'est parti. Ouh, là 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 là. Hey, je l'ai pas scoupé là, mais c'est affreux, hein. Fou, les murs et tout là, je vous dis, la pression que ça met ces combats, regardez la vie que j'ai perdue comparé à lui. Là 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 là. Et voilà. Voilà comment on se fait enchaîner dans Absolvers. Comme je sais pas quoi, mais on se fait enchaîner de A jusqu'à Z. Timing 0 sur ce combat. Bon, bah, c'est reparti, les amis. On réitère. On y croit. Il y a des fois ça se passe en quelques secondes et il y a des fois ça met des heures. Mais même le moindre bot. T'es 1000 ans à le tuer. Ouh, pas mal ça, ce petit coup de poing presque appris. Je pense que le prochain combat. Ah, mais ce coup de pied aussi, il est presque appris. Écoutez, on pourrait essayer de se le terminer. Aïe. Allez, fais-moi ton combo avec les pieds là. Alors, en haut. Et en haut, au milieu et en haut. Ok, 4 fois en haut. Donc le premier, je peux me baisser, je pense. Non, c'était pas ce combo. C'était pas celui-là non plus. Ah, on a appris un coup, on va le se terminer maintenant parce que j'ai pas envie de perdre. Ça part tellement vite, l'énergie là, vous avez pu voir. Hein, que faut mieux pas se risquer à faire des bêtises. En plus, là, j'ai pas toute ma vie, mais on va essayer de direct d'attaquer fort. Ok, grosse esquive, il m'a mis. J'ai compris. Là 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 là, c'est compliqué les amis, c'est compliqué. Mais ah, le coup de pied il tourne à 360 degrés, je peux pas l'éviter, il faut que je me baisse en fait, j'ai pas le choix. Allez tiens, prends ça dans ta face. Grosse esquive. Mais je pars, je me mets sur les côtés. Pourquoi j'esquive pas? Faut vraiment jouer les. Faut jouer la. La feinte d'attaque. Oh là 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 là. Oh là, là. C'est dur, hein. Feinte d'attaque, c'est parti. Tiens, si tu peux l'éviter, ça. Ah. Mais what, c'est quoi cette allonge? Oh, c'est affreux. Ah, ce coup de pied, il est d'un chiant. Pas possible. Oui, j'ai appris le coup de genou. Oh là là, faut pas que je perde. Faut pas que je perde. Oh, j'ai plus de vie déjà. Comment vous voulez que je perde pas? Ah, j'ai pas pu me remettre la vie. C'est bon. Allez, no stress. Voilà, vous voyez, quand vous faites les esquives avant, il a moins de chances de parer. Middle life. Allez, viens par là. Viens par là. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah, ça c'est bon, ça fait plaisir. Mais le mec me met des ruses de fou aussi. Tiens, prends ça et ça. Ouh, ah. Allez, ça va bien se passer, ça va bien se passer. Alors là, ça peut, je peux perdre d'un coup. Hein. Mauvais timing, mauvais combo, je suis... J'attaque avec des gros coups, moi je suis bête. Voilà, mauvais timing, genre comme ça. Oh là là là. Ah. Ah.
je me suis baissé trop tôt. C'est affreux. C'est affreux ce jeu. Ah purée. Allez, on recommence. Donc allez, on va essayer de se battre proprement. Déjà, quand je prends le premier coup comme ça, c'est mauvais signe. Bon, sans... il fait un coup vers le haut et un coup au milieu. Donc vas-y, un coup vers le haut. Pas du tout, là, il change de combo. Voilà, comme par hasard. Allez, un coup vers le haut. Mais viens te battre. C'est pas vrai, quoi. Faut pas que je lui laisse du répit, en fait. Un coup vers le haut et un coup en haut. Tiens, ça prendra. Tu vas pas me faire trois fois le coup. Oh, il a repris son épée. C'était stylé. Petit coup de coude, pas piqué des hannetons. Et boum. Viens par là. Viens, viens avec ton épée, viens. Alors, il va nous faire un coup de base en haut et un coup en haut. Ah. On a presque gagné son coup d'épée. Oh, c'est là qu'il fallait le placer. Je vais lui mettre encore des patates, hein, parce que il met un peu la presse. Ça y est, coup d'épée. Vous voyez, c'était bien là, ce petit coup de pied vers le bas et boum, ça y est, enfin. Fouah. Et vous voyez qu'on a des coups à gagner encore. Hein. Pouf, et ben la pression n'aura pas été en vain, les amis. Ah, ça va mieux, ça fait du bien. Alors, par ici, il y avait des choses à découvrir, il y avait encore des mecs à battre, mais bon, ça tourne en rond et ça revient de ce côté-là. On peut redescendre par cette espèce de truc qui est par une maison, voilà, ce balcon, je crois. Ça nous ramène ici. Par contre, si on va se balader de ce côté-là, déjà, il y a du monde. Baisser trop tôt. Voilà, ok, c'est bon. Pantalon de forestier. Pourquoi pas. Alors les amis, par ici il y a un petit chemin. Avec une stèle qui montre qu'il y a un checkpoint. Alors là ça grimpe, ça grimpe. Ça grimpe. J'aimerais bien voir à quoi il ressemble ce pantalon quand même. Par curiosité. Ah, on a gagné un point certainement. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Un point. On va monter en santé maximale. A gagné donc en équipement. Alors on a un nouveau châle, c'est celui-là. Oh, les petites feuilles, c'est moche comme tout. Par contre, c'est très léger. C'est très léger, mais ça protège pas. Ah, c'est de la fourrure, d'accord. Ok, pourquoi pas. On verra si on a d'autres habits qui vont bien avec ça. Et ici encore un plastron. Wow, il est stylé, voyons. Ah, il est cassé. 3,1, 3,4. Plastron de Silan. Il n'y a pas marqué si c'est cassé. 10,7, 9,9. Vous voyez, il protège moins. Par contre, il est plus léger. Et en plus, il est stylé. On va mettre celui-là. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais en tout cas, ça me plaît pas mal. Les petits poignets qui sont très légers aussi. Mais surtout qui protègent moins. Donc, on va garder nos gants. Nos gants déchirés, d'ailleurs. Hein. Nos gants déchirés qui sont tous déchirés. Ok. Allez, let's go. On continue. Le colombier adalien. Est-ce qu'on voit la tour un peu par là? Non, pas de ce côté-là. Ah si, la tour est ici. C'est beau, hein. Regardez ça avec tous les oiseaux. Regardez cette ambiance. Avec les feuilles qui bougent. Ambiance de fight, les amis. Ambiance de fight. Allez, c'est parti. Une petite peinture murale. Rupestre. Des petits pots à casser, normal. Et un beau balcon. Ça, là-bas, ça doit être le quartier horatien. Bon, et ben on est arrivé. On est arrivé, et là, regardez, on a encore cette même orbe blanche qu'on a déjà rencontrée. Hein, puisque là, on est sur un boss rouge. Donc, c'est le dernier boss avant de passer à la suite d'Absolvers. Là, je suis dans l'inconnu le plus total, les amis. Et ben, ça va être l'heure du combat. C'est parti pour la cinématique. Nil, der fährt Erleg Bethlehem. Konika jubbe som oi. Ilin divektom, sir.
Ok, c'est parti, ils sont deux, pourquoi pas, frères et sœurs. Alors, ce qu'on va faire sur ce combat, les amis, c'est que ça va être la fin de l'épisode. On va les battre, essayer de les battre. On va faire le plus beau combat possible. Et on va se quitter là, puisque ça fait assez longtemps qu'on joue. Et moi, je bataillerai sur les coups dans la prochaine vidéo. Vous m'aurez vu, j'aurai déjà progressé. On n'aura plus qu'à faire les decks. Prochain épisode, on va se concentrer sur les decks. Hein, ça, c'est sûr. Allez, c'est parti. Je me concentre et on va latter. Pas pu le parer. Fou, c'est la concentration totale. J'ai pas envie de faire bêtise. Ok, pourquoi? Ça c'est dégueulasse. Oh là là, esquive. Pas esquive. Hein? Ça c'est fou. Boum, boum, et boum. Même si je la vois pas, hein, on imagine qu'elle a bien pris. Viens par là toi. Non, j'ai pas attrapé le bon. Fait du tout. Bon, nous aussi on va lui faire des ruses un peu parce que ouah. Vous allez prendre des couilles ou non? Regardez, oh, les vieilles feintes qu'elle met, c'est horrible. Mais le mec prend rien quoi. Fou, c'était chaud la patate. Point là. Ah là 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 là, je suis trop loin. Voyons si je fais ça. Tiens, prends ça. Et maintenant, voyons si tu peux parer autant avec le sort. Ouais, ok, ça fait rien du tout. Mais sérieux. Tiens, 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 et tiens, et tiens, et boum. Oula, ça sort les épées. Là, 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 là. Oh, gentil, gentil, mignon. Viens par là, toi. Je t'achève tant bien que mal. Ouh. Allez, viens par là, viens par là, viens par là. Je la fais bire, les gars. Boum. Allez, c'est bon, il est mort rien qu'avec mon pouvoir. Parfait. Grosse patate. Viens là, toi, ça va être de la rigolade maintenant. Il y a des coups à prendre, hein. Il y a des coups à prendre. Oh. Oh, oh, oh. Ce qu'elle m'a mis. Oh là 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 là. Tiens, pars donc ça, et ça, et ça. Oh, désolé, je t'ai cassé ton pot. De toute façon, tu vas mourir, donc c'est pas important. Est-ce que je l'achève? Ouais, allez, on va l'achever, faut que l'épisode s'arrête. Ouh, t'as eu de la chance. Là 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 là. Et boum. Ah, niveau supérieur, et on a appris un coup, il me semble. On ramasse quelque chose. Et les amis, ça y est, on a épée incurvée. Cool, j'ai gagné une épée. On peut ouvrir la porte, ça y est. Et voyons si je peux me rebattre. Se déverrouille au niveau 20. Alors voilà, depuis le début, j'arrive. Et Cleaver Elbow, on a gagné. Cleaver Blow. Et ben, je reviendrai faire les autres coups. Je vais me battre encore avec eux. Je vais essayer d'en apprendre le plus possible jusqu'au prochain épisode. J'espère que celui-ci vous a plu, les amis. Voyons où ça nous mène tout ça. Ça nous mène à l'entrée. C'est plutôt de l'autre côté qu'il faudrait que j'aille voir. Là, il n'y a rien du tout. Voilà, donc j'espère vraiment que ce petit épisode vous aura plu. On aura joué en direct, hein, c'est pas évident. Vous avez vu que j'ai pris pas mal de petites branlées. Mais c'est quand même plus immersif et c'est quand même plus sympa. On peut pas monter par là. Je vais essayer de me barrer de l'autre côté.
Bon, mais comme je vous ai dit, je vais essayer de bien apprendre les coups. Il y a une stèle ici en plus. Et puis on se revoit très prochainement pour la suite des aventures où on fera tous les decks depuis le départ. Donc dites-vous bien que le prochain épisode, ça va pas forcément jouer. Ça va plutôt fabriquer des combos. Donc j'espère que ça vous intéressera aussi. Dites-le moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse. Alors on va aller au bout de ce chemin quand même avant de se quitter. Alors bien sûr les amis, n'hésitez pas à me soutenir. Hein, forcément les vidéos ont très peu de visibilité, alors que c'est quand même un super jeu, Absolver. Je pense qu'il y a moyen de faire un let's play sympa, de s'améliorer, hein, parce que là, pour l'instant, c'est pas extrêmement stylé ce que je fais. Eh, au fait, j'ai changé les coups de ça aussi. Là, normalement, on devrait avoir pas mal de petits coups de poing qui font mal. Ça c'est fait. Alors où est-ce que ça nous mène ce chemin? Parce que quand même faut terminer l'épisode hein, au bout d'un moment. Ah ça nous ramène à la tour d'Adal j'ai l'impression. Ok parfait. Jin Meska. Mais d'où il sort lui? Ah mais j'ai déjà battu lui. Jin Meska c'est le premier. On dirait qu'il est bourré vous trouvez pas? Attendez mais j'ai déjà battu lui ou pas? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah il a la technique du mec bourré. Oh mais c'est énorme. Mais attendez, mais j'ai déjà battu lui pourtant. Et est-ce que j'aurais pas posé mes gants par terre? Comment j'ai fait pour poser mes gants? Ok, pourquoi pas. En tout cas, Jin Meska, j'ai pas appris ses coups, hein, ce que je vois. Bon, les amis, écoutez, je le tue, je vois ce que ça fait. Et puis nous, on va se quitter ici, mais je suis jamais venu de ce côté-là, c'est vraiment bizarre. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Allez, merci. En tout cas, il a vraiment la technique du mec bourré. Je sais pas, je vais me renseigner. Est-ce que vous savez, vous les amis, comment on fait pour apprendre ça? Si vous en savez plus sur sa manière de se battre, regardez ça. C'est énorme. Ah, il me faut ça, moi, je veux ça. Sois pas trop bourré non plus parce que tu vas te prendre des patates de Juanito qui vont arriver droit dans la tête. Ah ouais, il sort l'épée carrément. Fini le mec bourré. Ah s'il est un peu bourré quand même encore. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Viens par là. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Allez les amis, j'étais trop concentré et puis en plus j'ai lamentablement perdu. Voyons où est-ce qu'on réapparaît. Je vais pouvoir aller me le refaire. Allez, sur ce, on a tué tous les boss. On se revoit très prochainement. Moi je vais voir avec ce Jin Meska ce qu'on fait. Et puis je vais faire encore un peu les autres boss. Sur ce les amis, je vous dis enfin au revoir. À la prochaine, bon jeu, ciao ciao.